Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le vendredi 14. Ça fait pratiquement 2 semaines que je ne vous ai pas retrouvé en vidéo. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog en fait pour vous embarquer durant cette journée. Rien de spécial de prévu. Il fait super beau encore une fois. Là, on s'apprête à sortir avec Yanis pour aller faire quelques petites courses. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je vous embarque avec nous durant toute cette journée. Bon, ça y est, je suis rentrée de mes petites courses. Du coup, je vais vite faire manger tout ça, en sachant qu'il n'y a pas grand-chose vraiment. Et mon mari a réceptionné un colis pour moi, donc je vais vous le montrer. Du coup, je vous retrouve pour vous montrer le colis que j'ai reçu. Donc, c'est un colis qui vient de chez... Enfin, de la boutique Miley.fr, donc c'est une boutique de prêt-à-porter, et du coup j'ai fait une petite sélection de quelques articles. La plupart ce sont des robes, donc je vais tout déballer pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc là il y a des robes, il y a même ceci en fait qui est une sous-robe, et je trouvais ça hyper pratique parfois quand j'ai des robes ou des jupes qui sont transparentes de mettre ça par-dessous. Enfin bref, je déballe et je vous... J'ai commencé à préparer le repas de ce soir, donc hyper simple, un petit plat de légumes et de poissons au four. Du coup, moi là, j'ai mis des pommes de terre, courgettes et quelques champignons qui traînaient dans le frigo. J'ai mis du cola pour le poisson. Et alors pour l'assaisonnement, j'ai juste mis du sel, du poivre, du cumin, du paprika, de la ciboulette, du persil, de la coriandre. Et j'ai également mis de l'huile d'olive. Donc là, moi ici, j'ai utilisé... mon huile d'olive aromatisée aux agrumes et au piment vert. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur les huiles aromatisées, n'hésitez pas, je vous la mettrai juste ici en suggestion. Et du coup, moi, j'ai mis ça là parce que ça se marie super bien avec le poisson. Donc voilà, je vais mettre tout ça au four et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. De poisson avec les légumes est au four, et du coup j'ai rapidement fait une petite salade ici avec de la mozzarella et des tomates cerises que j'ai coupées en morceaux. J'ai rajouté également des raisins secs, j'ai mis mon huile d'olive aromatisée à la tomate et au basilic, une petite pincée de sel rose, de poivre et également des oignons nouveaux et du basilic frais. Ça y est, notre petit repas est prêt, donc le poisson ici avec les légumes. Notre petite salade ici, tomate mozza, un peu sucrée salée avec des raisins secs et du basilic. On a notre petit jus ici. Et du coup, on va se servir tranquillement avec les petits loulous qui sont ici. Et d'ailleurs, vous me posez souvent la question par rapport à la vaisselle que j'utilise pour les enfants. Donc tout ce que je possède des enfants, que ce soit les bavoirs, les gobelets, les sets de table, les assiettes, les couverts, vraiment tout, même les biberons, c'est des articles qui proviennent de la marque Twist Shake. Donc c'est une marque que je teste, avec laquelle je collabore depuis pratiquement 2 ans maintenant. Et c'est vraiment une marque que j'adore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un petit code promo. Je ne sais plus exactement de combien de pourcents, mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations ici si ça vous intéresse de passer commande. Donc voilà, voilà un petit peu pour ça. Et voilà nos petites assiettes. Bon appétit, Yanis. Qu'est-ce qu'on dit, Yanis? Oui, je vais t'aider. Bon appétit, mon Eliane. Bon appétit. Maman, tiens. Bon appétit, Yanis. Je vais t'aider, attends. Alors, petit aparté concernant la marque Twist Shake, je vous en ai parlé juste avant au moment du repas. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu tout le meuble que j'ai spécialement dédié aux enfants. Et du coup, avec tous les articles Twist Shake que j'aime. Et je sais que parfois, vous me posez des questions concernant les articles, ce qui est vraiment utile, ce que je préfère dans la marque. Du coup, là, je vous montre vite fait comment est-ce que j'ai rangé. Et je vais vous montrer ma petite sélection de mes 3 produits chouchou que j'adore vraiment pour les enfants. Et puis je vous parlerai également du petit code promo qu'on a mis en place avec la marque. Alors voici ma petite sélection. Donc là en gros il y a 4 articles, enfin 4 types d'articles, sauf qu'il y en a 2 qui vont ensemble. Donc il y a ces petits sets de table que je trouve hyper pratiques, parce qu'en fait ce sont des sets de table qui se, qui s'accrochent super bien à la table. Du coup ça évite aux enfants de pouvoir soulever, du coup de tout renverser par terre. Là moi j'ai 2 formats, donc le petit format mini et le grand format. Oula,
Du coup, le petit format, je l'utilise pour Ilienne et le grand format, c'est pour Yanis. Et alors, pourquoi j'ai dit un article 2 en 1? Tout simplement parce que vous avez les assiettes aussi qui se clipent directement dans l'assiette. Donc là, je vous montre cette assiette-là compartimentée, mais il existe plusieurs assiettes. D'ailleurs, je les ai toutes, celles qui sont simples. J'ai également le bol et les deux assiettes se clipent directement dans les deux formats de set de table, donc aucun souci à ce niveau là et alors ce que j'aime beaucoup aussi dans ces assiettes là, c'est que vous avez le couvercle pour pouvoir fermer l'assiette et conserver du coup les aliments, et ça c'est hyper pratique. Mon deuxième produit chouchou de la marque, ce sont ces bavoirs-ci. Donc là encore une fois, j'en ai un pour Yanis, un pour Ilienne, toujours dans les mêmes tons de gris et de beige. Et alors j'adore vraiment ces bavoirs là parce que vous avez un petit espace ici où en fait quand bébé mange et fait tomber quelque chose, ben ça tombe directement dans le bavoir et je peux vous dire que ça facilite énormément le ménage, ça évite qu'il en mette partout et qu'il en mette par terre aussi. Donc ça c'est top. Et alors un produit, bon là j'ai mal clippé le truc, mais un produit aussi que j'aime beaucoup de la marque, ce sont ces gourdes-ci. Donc là encore une fois, j'ai celle-ci pour Yanis et j'ai également la beige pour Ilienne. Et alors j'aime énormément ces gourdes, parce qu'en fait ce sont des gourdes qui servent entre guillemets d'infusion. Donc vous pouvez très bien faire infuser des fruits dedans, mais moi j'utilise principalement pour l'eau. Et d'ailleurs c'est les gourdes que je transporte toujours avec moi dehors parce que ce sont des gourdes anti-gouttes. Et ça c'est hyper pratique. Bon là elle vient de sortir du lave-vaisselle, donc il y a un peu d'eau qui coule. Mais sinon de base ce sont des gourdes vraiment qui évitent de faire couler l'eau. Et je peux vous dire que quand vous avez un petit bébé comme Ilienne qui adore s'amuser avec l'eau, bah, c'est hyper pratique parce que ça évite qu'il en mette partout. Un petit peu par rapport à ça, et alors à propos du code promo qu'on a mis en place avec la marque et dont je vous ai parlé juste avant, c'est un code promo qui vous offre 5% supplémentaire sur une réduction qui est déjà faite sur le site de moins 50%. Donc au total avec mon code promo de Coquette Mom 55, vous avez 55% de réduction au lieu de 50%. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup si ça vous intéresse. Et comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment une marque avec des articles que j'aime beaucoup pour les enfants. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog. Du coup, on est le lendemain, donc le samedi 15. On est déjà tout prêt avec les petits amours juste ici. Il est quelle heure? Il est 11h et en fait, on s'apprête à aller petit déjeuner et bruncher en parallèle dans un nouveau resto. Enfin, il n'est pas nouveau, mais ce sera une première pour nous. Du coup, bah, c'est parti, on vous embarque avec nous et je pense vous filmer aussi. Bon, je vais arranger ici mon foulard. Et du coup, je vais vous embarquer avec nous encore une fois durant cette journée. Let's go! Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, je vous montre le petit look des petits garçons en parallèle. Donc, attendez, je réfléchis. Pour Ilienne, c'est un total look. Attends, mon chéri. C'est un total look Zara avec une petite chemise comme ceci, un peu texturée. La petite salopette ici, trop mignonne. Et il faut encore que je lui mette ses petites chaussures. Ilienne ne peut pas sortir sans son doudou. Et pourtant, c'est un doudou tout chaud en fait, mais c'est vraiment son doudou. Donc je suis obligée de le prendre avec malgré qu'il fasse chaud, bah, il dort tout le temps avec. Yanis, tu es où? Moi, je suis dans le couloir. T'es dans le couloir? Oui, dans le couloir. Alors, et pour le look de Yanis, il a un t-shirt. Viens, on va montrer comment tu es beau. Oui, mais viens, attends, je vais montrer comment tu es habillée. Maman. Donc, Yann ici porte un petit short beige de chez Primark. Pareil pour le petit t-shirt. Il a des petites baskets Adidas. Et du coup, je lui ai mis des petites bretelles bleu marine. Celle-ci vient de chez Zara. Et donc, voilà pour son petit look. On dirait un petit écolier comme ça. Et d'ailleurs, Yanis rentre dans 2 semaines à l'école. Et comment vous dire, je suis entre excitation et en même temps peur. Oui. Maman. Et du coup, sachez qu'il y aura une vidéo spéciale rentrée qui va sortir ben, quelques jours avant la rentrée. Donc voilà, là on y va et on vous embarque avec nous. Et voici mon look du jour avec la robe que j'ai reçue, que je vous ai montrée hier en fait du site mylee.fr. Petits escarpins de chez Primark. Petit sac aussi, montre et voilà.
Alors, pour le petit déjeuner brunch d'aujourd'hui, ce sera ici, donc à la pause. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tout nouveau, mais c'est une nouvelle, un nouveau test pour nous. Donc, let's go. Je vais te montrer les touches, regarde. Petit regarde. Cours de piano pour Yanis avec son tonton. Regarde, tu me fais. Yanis. Petit pot de colle ici. Concentre-toi. Appuyer ici. Tu vas appuyer là-bas. Ça, c'est pour changer le type de piano. Tu veux essayer un autre piano? Oui. On va voir ce que ça donne. Yanis, papa, l'autre côté. On est toujours dans la même journée, mais un peu plus tard en soirée. On a terminé de bruncher. Et on est chez ma sœur en fait, qui habite un peu en dehors de Bruxelles. Et du coup là on est avec les enfants pour aller faire un petit tour au parc pour qu'ils puissent jouer parce qu'il fait quand même beau. Il a plu un petit peu tout à l'heure, mais du coup là il fait un peu beau, donc on est dans un petit parc avec une plaine de jeux. Et Yanis est en train de s'éclater juste ici à la voiture. Oh là là, le pilote. Bonjour ma petite beauté. Bonjour ma petite beauté. Bonjour ma petite beauté. J'ai mon cœur. J'ai mon cœur. Il est content, mon chouchou. Ah, on va en fâcher. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, tout à l'heure, on fera la douche et on changera les vêtements. Il y a un petit peu plus tout à l'heure. Du coup, bah, tout est encore un peu mouillé, mais c'est pas très grave. Allez, vas-y. Montre comment tu fais le toboggan. Wouhou! On sait plus bouger. Olé, il a l'air d'aimer. Hein. Ah, il aime plus. Tu veux que ça aille plus haut? Tu veux que ça aille plus haut? Gabriel, regarde, qu'est-ce que tu fais? C'est la gamme, c'est ici. Il a fait un nettoyage du toboggan. C'est bien. Il a fait un pré-nettoyage pour les enfants qui vont venir après. Wouhou! 3, go! Wouhou! Et papa qui réceptionne parce qu'une grosse flaque d'eau. Bravo, mon chat! Regardez-moi ces deux petites mignonneries. Attention, ça démarre! Wouhou! Si, si. Oh, il pousse en arrière. Doucement, doucement, pas trop, Yessé.